Parce que curieusement, ce garçon-là, Fred Testo, n'avait jamais fait de spectacle seul. Il avait déjà travaillé avec Omar Sy, à deux, il avait fait des choses assez drôles. À la télé, il avait parfois travaillé seul, mais enfin assez rarement. Et puis là, tout d'un coup, il se lance. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Mais l'envie, William, l'envie d'être avec son public. Regardez le titre du spectacle. Presque seul. Pourquoi presque ? Alors, deux raisons. Première raison, assez prosaïque, parce qu'en fait, il interprète plusieurs personnages sur scène, donc il est seul. Presque seul, puisqu'il fait vivre d'autres personnages. Mmh. Et en même temps, comme les personnages qu'il fait vivre sont un peu barrés, un peu déjantés, un peu psychopathes, je pense qu'ils ne sont pas complètement seuls dans leur tête. Vous voyez le titre. C'est l'analyse que je vous livre, telle que j'ai perçue. Il y a du monde, quoi. Il y a du monde là-dedans. Alors, c'est un ovni, ce spectacle, William. C'est drôle et pas que. C'est du Fred Testo pur jus. Moi, j'ai trouvé ça délicieux parce qu'il est très attachant, ce garçon. Mmh. Et en même temps, c'est une réflexion de son spectacle sur le métier de comédien, les avantages, les inconvénients, le côté mégalo du comédien, les avantages quand vous êtes connu. Il vous tourne ça dans tous les sens. Il reconnaît parfois, évidemment, le comédien en use et en abuse. Donc ça se passe à la Comédie de Paris jusqu'au 31 décembre. Et ensuite, partout en France, nous étions là. Et alors, on a fait un pari avec Fred. Le premier qui déplie les bras a perdu. Ah oui, oh bah, j'ai vu. Hein. Ah, allez, attention. Ça n'a pas été facile, non. Cette interview. Vous savez quoi, monsieur l'énergie, on fait du sport en même temps. On se cultive, on fait du sport. Mais vous étiez dans une roulotte ou quoi? On a l'impression que... Exactement. Vous savez, c'est les fameux qui jouent dans la roulotte comme ça, voilà, avec la guitare. Oui. Mais bonne ambiance, bonne ambiance. Mais lui, c'est un excellent comédien. Hein. Mais complètement. D'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de tous les humoristes. Remarquerez, monsieur l'énergie, que c'est marqué Fred Testo dans le reportage, humoriste et comédien. Ah. Parce qu'il fait les deux. Très bien. C'est parti. Excusez-moi. Je démarre un peu vite en ce moment, là, c'est parce que je sors d'un tournage de film, là, où j'avais un rôle dramatique. Je jouais un personnage ultra-violent. Du coup, dès que je ressens une offense ou un choc émotionnel, pouf! Salut Fred. Eh bien, salut Damien. Malgré cette longue et belle carrière qui est la vôtre, c'est votre premier one-man. Oui, je suis hyper heureux de découvrir ce nouvel exercice, parce que, voilà, c'est sans filet. Et il faut amener les gens dans une histoire jusqu'au bout. Donc tous les soirs, on recommence avec une adrénaline positive, hein, évidemment. Moi, je veux pouvoir lire des magazines déco dans mon lit, en mangeant des gâteaux sans gluten. Je veux pouvoir appeler mes copines au téléphone pendant des heures. Je veux pouvoir me balader chez moi, sans mettre de culotte. Parce qu'il faut que ça respire là-dedans. Vous chantez, vous dansez, on sent que vous avez le rythme en vous. C'est vrai qu'on m'a connu des années derrière un buste, répondant au téléphone, dans l'humour en tout cas. Mmh. Et c'est vrai que là, on découvre que j'ai des jambes plutôt assez jolies, hein, sans se vanter. Ah oui, non, on peut le dire, ouais. Parfaitement, j'ai fait 10 ans de danse classique. Saut de biche. Biche blessée. Et c'est vrai que j'en parlais pas trop, parce que souvent, voilà, être artiste complet, ça dérange. Donc, ça suscite les jalousies. Ça suscite les jalousies. Et là, voilà, je me suis exprimé clairement, donc je danse, je chante, on peut dire quasiment à la perfection. Oh, petite Maya Lamette, oh, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est que ce loustique, là? Oh, joyeuse Maya Lamette, les boules de merdine. Vous êtes un peu le Nureyev de cette fin 2016. Voilà, c'est entre Frank Sinatra et Nureyev. Ouais. Voilà. Ouais. Là où j'aimerais aller. La, la, la. Bah, moi, là où j'aimerais aller, c'est aux putes. Y tú, ¿cómo te llamas? A mí me gusta tocar la guitarra, ¿no? J'ai toujours été un peu, comme on dit, hyperactif. Enfant turbulent, vous étiez ? Hyperactif, c'est-à-dire qu'il faut faire des trucs... Trop intelligent, le gamin. Je ne sais pas. À l'étroit dans le monde dans lequel il évoluait, probablement. On est en train de faire des tests, voilà. Là, c'est sûr que, voilà, on va le savoir bientôt, mais... Vous nous le direz, les résultats. Par contre, quand t'es un comédien connu, là, t'as plein de privilèges. Hein. Oh, monsieur Testo, ah là là ! Qu'est-ce que je suis content, vous savez, dans mon établissement, oh là là ! Oh, je suis content, il est là !
Monsieur Lemergy va venir vous voir, bien sûr, monsieur Tessier. Bah, je pense. Quelqu'un qui est formidable, qui dort 20 minutes par nuit, qui est là, toujours aussi flamboyant, tous les matins. Bravo d'ailleurs à toute l'équipe. Et on ne prend rien, vous savez qu'on ne prend rien. On ne se dope pas. Hein, on est... Mais non, c'est ça. C'est comme vous, c'est le bonheur, le plaisir. Bah oui, parce qu'on est heureux quand même. Bah oui. On sait que ça choque à notre époque, mais bon, voilà. Mais on peut le dire. Merci monsieur Testo, c'était un plaisir. Bah, merci à tous, hein. Voilà, donc toute l'équipe. Allez, en scène. Allez, j'y vais. Hein. Salut. Non, mais c'est bien. Vous avez été libéré après, on vous a délivré, libéré, oui, absolument. J'adore parce qu'il est génial, parce qu'il est un peu fou, parce qu'il voilà, campe des personnages qu'on ne voit pas ailleurs. Ce spectacle, vous ne le verrez pas ailleurs. C'est vraiment l'univers de Fred Testo. Et donc jusqu'au 31 décembre à Paris, Comédie de Paris, dans le 9e, et puis ensuite partout. C'est tout en France. C'est vrai, non seulement ça, mais c'est vrai, on l'a déjà dit, comédien, mais dans des rôles différents. Je veux dire, là, on ne l'attend pas. Le rire et les larmes, il sait faire les deux. Merci beaucoup.